Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Les indispensables. Pauline de Saint-Rémy. Ils sont là, vos experts, comme tous les matins, à 6h52 sur RTL. Vos indispensables, Pauline, ça tangue, ça tangue, ce n'est pas la route du Rhum, c'est la droite. On se divise sur la question des carburants. Oui, et plus exactement sur la question de la réponse à apporter au gouvernement qui lui-même peine à défendre sa hausse des taxes sur l'essence et le diesel. Ça a été un exemple type de l'improvisation qui règne au parti. Ce désespérait hier un conseiller de droite à qui j'en parlais. Les désaccords étaient tels la semaine dernière que le président. Du parti Laurent Vauquier a même dû renoncer à la conférence de presse qu'il espérait organiser mercredi en compagnie des ténors de... des Républicains. C'est le journal du dimanche qui en parlait hier. L'objectif était de demander publiquement et formellement à Emmanuel Macron de renoncer à la hausse prévue pour le mois de janvier. Sauf que, par téléphone, dimanche, le chef de file des sénateurs des Républicains, Bruno Retailleau, lui a signifié à Laurent Vauquier son opposition. Pas question pour lui, a-t-il expliqué en substance, de soutenir l'initiative des deux. Vice-président de LR, les députés Guillaume Pelletier et Damien Abad, qui, dans un appel au territoire lancé le même jour, notamment à destination des classes moyennes, c'est eux-mêmes qu'ils disent, proposaient la création d'un chèque carburant mensuel de 100 euros pour les 13 millions de Français qui n'ont pas accès au transport en commun. Une hérésie à 15 milliards selon l'entourage de Bruno Rothay. Oui, que Guillaume Pelletier proposait de financer grâce à une nouvelle taxation imposée aux sociétés d'autoroute, là où Laurent Vauquier, lui, aurait préféré un chèque financier, financé comme le Tickets restaurants par les entreprises. Le doute s'étant néanmoins installé, à un moment où beaucoup à droite prônent pour que l'accent soit remis sur la baisse de la dépense publique, l'idée du chèque carburant a été retirée en catastrophe parmi trois propositions d'un tract contre le racket fiscal, je cite, qui avait pourtant été distribué mardi matin dans sa version initiale, donc lors de la réunion de l'équipe dirigeante de LR. D'où cette position commune à minima, qui aura finalement été défendue par tous tout au long de la semaine. Il faut avant tout revenir sur la hausse des taxes, à plaider la droite en chœur. Très bien, mais ça ne suffira pas à résoudre le problème de la hausse du prix de l'essence, râlait hier soir un dirigeant des républicains à qui j'en parlais. La droite sénatoriale, pour info, travaille donc en compensation à un projet de TIPP flottant. Vous savez, c'est ce fameux mécanisme de régulation de la taxe sur l'essence en fonction du prix du baril. Votre plus, Jean Leonetti n'est pas prêt à être la tête de liste LR aux élections de mai 2019 à n'importe quelle prise. Non, le numéro 2 des Républicains et ancien ministre des Affaires européennes est déjà parti en guerre contre les vieux schnocks, c'est l'expression <laughs> qui circulait. C'est ainsi qu'ils sont désormais cruellement surnommés Brice Hortefeux, Nadine Morano et Rachida Dati, tous trois, tous trois députés européens sortants. Il n'en veut pas sur la liste, question de renouveau officiellement. En fin de semaine dernière, la rumeur courait qu'il était même prêt à mettre fin aux discussions avec Laurent Wauquiez. Il m'a assuré hier ne pas avoir mis du Ultimatum, je cite, j'ai tout simplement évoqué un certain nombre de problèmes, concédait-il tout juste, très diplomatiquement. Il assure qu'à ce jour, il est incapable de dire s'il sera même présent sur la liste. Il tâche surtout de se faire désirer, grincette hier, un autre membre de l'équipe dirigeante. Merci Pauline.